poser des questions sur l'allaitement maternel et c'est tout à fait normal. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais avoir assez de lait? Comment savoir que mon bébé mange bien? Et la liste des interrogations est très longue. Pour aborder l'allaitement maternel le plus sereinement possible, la préparation en anténatal est une première étape. N'hésitez pas à poser des questions et à vous informer auprès des différents professionnels que vous allez croiser pendant votre grossesse, la sage-femme libérale ou pendant les différentes consultations, et au Lactarium qui propose des ateliers de préparation sur l'allaitement maternel. N'hésitez pas à y participer. Pour débuter l'allaitement maternel, la proximité avec votre bébé va être essentielle. Dès les premiers instants, dès la naissance, le pot à pot sera à la fois bénéfique et agréable pour vous, votre bébé et votre allaitement. Accompagné de tétés à la demande, c'est-à-dire dès que votre bébé montre des signes d'éveil, et vous vous assurez de débuter votre allaitement comme il faut. Croyez en vous et en ce beau projet. Vous pouvez le faire. Nous, professionnels, on est là pour vous soutenir, vous accompagner, vous conseiller, vous rassurer dans les moments de doute. Donc n'hésitez pas jamais à faire appel à nous dès que vous avez besoin d'aide. Nous sommes une équipe complète, riche de connaissances et d'expériences, alors profitez-en. Vous êtes ici au sein du Lactarium Régional d'Île-de-France, un service qui s'occupe de collecter et de distribuer un produit qui est vital pour la survie des plus vulnérables, le lait de mère, qui va servir à les nourrir, à les faire grossir et à permettre leur développement optimal. Le Lactarium, c'est aussi un centre de conseil et de soutien à l'allaitement maternel, aussi bien pour les mamans ayant accouché d'un nouveau-né à terme, sain, bien portant, mais aussi de toutes ces mamans qui ont une grossesse pathologique et dont leur nouveau-né sera hospitalisé en néonatologie. L'hôpital d'Équerre a soutenu un projet pilote, celui de permettre aux soignants, aux professionnels de santé de poursuivre leur allaitement maternel en reprenant le travail. Et ainsi, la bulle d'allaitement est maintenant au sein de l'établissement et permet à toutes ces mamans qui retravaillent de tirer leur lait sur leur lieu de travail et de le ramener pour poursuivre et prolonger leur allaitement maternel au domicile.